quelle belle journée pour célébrer, hein, célébrer Claude Péloquin chez Bordua. C'est important. Le 9 août 1948 était lancé à Montréal le manifeste Refus global. 70 ans plus tard, il semblait normal de commémorer cet événement qui trouve son origine chez nous, ici, à Mont-Saint-Hilaire, et qui a marqué l'histoire artistique et politique du Québec, avec la présentation d'une exposition qui nous parle. Bienvenue dans l'univers de Claude Péloquin. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Noémie Chevalier, je suis responsable éducatif du musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Il me fait plaisir aussi d'être en votre compagnie cet après-midi, puis également d'avoir la présence de Claude Péloquin. Moi brièvement, c'est peut-être difficile de résumer en quelques minutes le parcours de Claude Péloquin, mais on peut en tout cas souligner son parcours multidisciplinaire dans le domaine culturel, parce que c'est à la fois un écrivain, un interprète, réalisateur, scénariste. Et en particulier, vous avez la possibilité de découvrir dans l'exposition qu'on vous présente dans l'atelier de Bordua, son dernier ouvrage qu'il a réalisé en 2017, La Valse Fatale. C'est un ouvrage qui va vous permettre justement de découvrir toute la poésie qui émane de Claude Péloquin autour de l'existence humaine, autour de la vie et la mort. Donc là, vous aurez l'occasion de découvrir cet ouvrage à l'intérieur de la salle d'exposition. Claude Péloquin n'a pas fini de déranger et d'embraser les consciences. J'invite Claude Péloquin. Merci. Merci d'être là. Bonne Saint-Jean. Le premier livre qu'on a vendu tantôt, le monsieur me demande une dédicace en mentionnant la Saint-Jean-Baptiste. J'ai dit, j'ai dédicacé le livre, puis j'ai dit, moi, parce que ça fait moins mal, j'ai fait, avec les deux barres blanches qu'il y a dans le fleur de lys, j'ai fait une croix. L'avenir le dira. Merci à Chantal, merci à Noémie. Ça me touche beaucoup, cette exposition. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer par ici pour venir voir ça. C'est magnifique comme endroit. Ça me touche beaucoup.